no time. Four members' statements. The member from Dufferin-Caledon. Thank you, Speaker. I wanted to share with members of the House a letter I received from a constituent of mine about the unaffordability of hydro. They wrote, quote, "For many like myself and my husband, we are finding it impossible to pay our utilities. I've been on disability through work for the past 2 years. The employer my husband worked for previously for 20 years shut down and went south of the border. The only work he was able to get pays him barely more than minimum wage. We live in Shelburne. We're so proud that we finally have saved enough to purchase our first house 14 years ago. Although we do not bring in a lot per year, we are still a few thousand dollars over the low income threshold for any kind of government assistance with our utilities. Each month, we have to decide who to pay. Pretty soon, we will be more than likely end up with one or more utilities being disconnected. Life seems bleak right now. Do we pay our utilities and start without a roof over our heads? If something isn't done, if something quelque chose n'est pas fait immédiatement, donc ça va se retrouver comme Détroit, abandonné et délabré. Monsieur le Président, l'autre jour, la Société des banques alimentaires ont des difficultés pour se payer matériel d'électricité. Le gouvernement a forcé à prendre un choix très difficile, soit de payer l'électricité ou de payer la nourriture. Le temps est venu où pour le gouvernement offre vraiment du soulagement pour les milliers d'individus et de familles comme commettants. Merci. Et aussi le député de Windsor West. Alors, donc, je suis heureuse de prendre la parole au nom de mes commettants de Windsor West et particulièrement pour tous ceux qui travaillent dans les domaines des métiers. Alors, pour bâtir la loi pour bâtir l'Ontario exige que l'on bâtisse l'Ontario et de ne pas permettre de pas compromettre la santé et la sécurité. Et le processus qui garantit que les travailleurs sont bien formés et cela réduit le niveau des métiers. On encourage les jeunes personnes à joindre les rangs des gens de métier et que l'on pense à la satisfaction que la vie de métier va donner la satisfaction aux jeunes gens. Ceci donc met en péril le domaine et ce n'est pas étonnant étant donné que le gouvernement utilise des vérifications comme une charge désagréable. Ce sont leurs mots et pas les miens. Et un membre du personnel va réduire les processus d'inspection de routine alors que le gouvernement perçoit cela comme une charge dans ceux qui travaillent dans le métier comme quelque chose d'essentiel, quelque chose qui empêche les blessures et les blessures en milieu de travail et sauve des vies. Moi, je suis d'accord. Voilà pourquoi les néo-démocrates demandent que l'ex 16 et 10 soit éliminé de ce projet de loi. Voilà pourquoi les néo-démocrates sont en solidarité des gens qui sont à l'extérieur ce matin pour parler de la préoccupation que nous avons cet après-midi. Les néo-démocrates comprennent ce que pensent que les travailleurs et nous luttons pour un milieu de travail et sécuritaire et nous allons poursuivre notre travail. Député de Ancaster, Dundas-Glenborough. Merci, Monsieur le Président. Je vais partager une déclaration qui a été partagée par Cameron Letty, le représentant d'une mosquée de Hamilton Mountain. Et les gens de Hamilton, donc, ils se souviennent de le défilé. Et ça se dit ceci, 885 osés des musulmans indiens ont été recrutés par les forces alliées pour lutter pendant la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, il y a des musulmans qui sont dans les forces armées canadiennes et plusieurs de notre ville. Et plusieurs des musulmans qui sont venus dans notre pays sont venus de nations où il n'y a pas de liberté, de transparence ou de démocratie. Nos anciens combattants ont fait des dents pour protéger ces valeurs et se souviennent de ce que c'est que d'être Canadien. Et c'est pourquoi les grands anciens combattants ont lutté pour protéger les gens ici au Canada. Les anciens combattants nous rappellent la signification de l'intégrité et du sacrifice. Nos anciens combattants définissent ce que cela veut dire lorsque nous sommes ensemble dans notre combat. Il n'y a pas d'unité plus grande au Canada que de se rappeler de ceux qui ont servi dans les forces militaires. Nos anciens combattants sont ceux qui sont rassemblés pour protéger une nation, un drapeau du Canada. À titre de communauté, maintenant, nous devons nous engager à vous servir, vous, comme vous avez servi. Alors, ceci commence avec moi, un engagement. Je m'engage à vous pour affirmer et pour aider de toute façon possible. Mon engagement, c'est de continuer à promouvoir les valeurs pour lesquelles vous avez lutté, la protection des libertés civiles, des libertés, des droits des personnes et l'inclusivité pour tous. Merci.
député de Wellington, Halton Hills. Monsieur le Président, de travailler ensemble pendant une décennie à Wellington, Halton Hills, nous avons demandé l'amélioration des services de train GO pour nos communautés. On fait des progrès. Alors, la station GO a été rouverte en janvier de 2013 en donnant à nos résidents un autre point d'accès pour le trajet à la région du Grand Toronto. Donc, un nouveau train est maintenant ce qu'on appelle le corridor de Kitchener, donne aux résidents de Jordan une meilleure flexibilité pour leur transport quotidien. Mais on n'a pas oublié la promesse faite par le gouvernement libéral dans l'élection en campagne de 2014 pour établir des services dans les deux voies tous les jours, dans les deux sens, pendant toute la journée. Alors, donc, c'est après l'élection de 2014 que le gouvernement a admis qu'il s'entendait prendre 10 ans pour offrir le service de deux voies de Toronto, Halton Hills, de Kitchener à Toronto. Ceci, c'est du cynisme, c'était décevant, pour le moins qu'on puisse dire, mais ça ne fait que renforcer notre résolution. Donc, après l'élection de 2014, le 2 juillet, j'ai déposé une résolution de projet de loi d'intérêt privé pour aller de l'avant pour qu'ils respectent leur engagement d'offrir les services dans les deux sens sur la ligne de Kitchener entre la région de Waterloo avec des arrêts à Halton Hills. C'était la première résolution dans l'ordre des projets de loi. Lorsque la nouvelle séance a commencé, et j'ai déposé encore une fois mon projet de loi pour appuyer un meilleur service, et ça continue d'être l'une des premières résolutions. Et nous apprécions, nous comprenons que le travail que fait Metrolinx, c'est quand j'ai demandé une mise à jour sur leur progrès pour améliorer les services de GoTrain, cette réunion a eu lieu à mon bureau de Queen's Park la semaine dernière. Nous avons demandé au ministère de Transport d'entreprendre, de déployer tous les efforts possibles pour expédier les transports de GoTrain sur la ligne de Kitchener et de respecter les promesses du gouvernement à notre communauté. Autre déclaration, député de Niagara Falls. Merci. Donc, ce matin, j'ai eu le plaisir de me joindre à 4 000 hommes et femmes qui ont fait une contribution exemplaire à l'économie de l'Ontarien devant Queen's Park. Ces hommes et ces femmes étaient ici. Ce sont des gens de métier. Ils représentent des milliers et des milliers d'hommes et de femmes qui travaillent tous les jours pour s'assurer que l'Ontario soit le meilleur endroit pour vivre, s'amuser et grandir et prospérer. Et donc, ce sont des membres aussi de plusieurs unions professionnelles. Ils représentent les gens d'uniforme, et aussi ceux qui travaillent dans la pose de toit, la United Association, les tuyauteurs et les couvreurs. Alors, toutes ces organisations et tous ces travailleurs sont ici aujourd'hui pour une bonne raison. Ils sont ici pour dire au gouvernement libéral que les changements qu'ils essaient d'imposer avec l'annexe 16 et 17 dans le projet de loi 70 sont une erreur. Donc, ça va ouvrir les métiers à des gens qui n'ont pas les qualifications nécessaires et vont le faire sans avoir consulté les travailleurs qui sont touchés par cela. Monsieur le Président, il nous faut avoir des politiques à l'encontre des jeunes gens pour poursuivre les fonctions. Nous avons besoin de politiques qui encourage le plus les femmes pour prendre des métiers. Ce sont c'est bien payé et c'est syndiqué. Et à cause des taxes qu'ils payent, ils financent nos soins de la santé, notre éducation, ou aussi peuvent peut-être ralentir la vente de Hydro One. Et il faut faire la bonne chose et éliminer l'annexe 16 et 17 de travailler avec les gens de métier, des gens, et donc en fait de poser des gestes pour que plus de personnes puissent être des gens de métier. Merci. Député d'Etobicoke. Merci, M. le Président. Alors, un peu plus tôt ce matin, donc pendant le cours de 2 semaines, j'ai eu 2 réunions dans la circonscription d'Etobicoke sur le sujet de la réforme du conseil municipal. Alors, donc, ce sont des gens avec qui je travaille de très près pendant plus de 25 ans pour traiter des questions qu'expérimentent, que vivent nos voisinages et nos quartiers pour une bonne planification urbaine. Alors, les idées qui ont été présentées par mes commettants étaient vraiment très réfléchies. Et ils étaient en train de parler de façon de s'assurer que les municipalités, que les prises de décision étaient respectées dans le processus de PIL. Alors, ils avaient des suggestions à savoir comment on peut s'assurer que les résidents et les communautés peuvent être plus engagés dans le processus de PIL au Conseil municipal de l'Ontario. Monsieur le Président, nous avons aussi souligné les différentes étapes déjà mises de l'avant pour contenir certaines autorités du Conseil de la Commission municipale. On a pensé que c'était une bonne façon de procéder pour s'assurer que les communautés locales et que le conseil municipal local ont une meilleure voix au chapitre. Monsieur le Président, en Ontario, nous avons
donc une planification urbaine, un urbanisme très robuste. Mais cela élimine, fait perdre un peu d'autorité aux municipalités en permettant taux d'intervenants de faire appel pour miner cette prise de décision locale. Mes résidents ont présenté de bonnes idées et je suis impatient de voir qu'elles soient mises en œuvre, Monsieur le Président. Merci. Donc, maintenant, au député de Norfolk. Le Canada est en deuil à la suite du décès du pilote de jet, Ross McQueen, dans un accident. McQueen, son Hornet CF-18, s'est écrasé en Alberta, près de Cold Lake, près de la frontière de Saskatchewan à l'Alberta. Nous apprécions donc que l'on prenne une minute de silence en l'honneur du capitaine McQueen, qui est de mon comté. Alors, donc, il vient d'une ferme juste près de Fairchurch-Ville. Et puis, il a fréquenté l'école locale, et alors que la famille était très discrète, ils étaient très actifs dans la communauté. Et plusieurs, donc, étaient des fermes qui appartenaient à la famille McQueen sur la route 4, et puis leur drapeau était en berne. McQueen était un pilote d'escorte pour le défilé du Père Noël, et il a guidé le Père Noël. Et il a dit donc à tout le monde à Fleischerville était vraiment impressionné. C'est le genre de cas qui faisait ce genre de choses. Et il était aussi dans l'escadron des pompiers aussi. Et puis, il a été à Cold Lake. Et un ancien combattant, avec le temps qu'il a desservi dans les forces armées canadiennes, que ce soit dans le Moyen-Orient et aussi en Europe de l'Est. Alors, j'ai bon, une citation très intéressante de Jonathan Vance, général de chef de personnel, mais le temps ne permet pas de citer le capitaine Thomas McQueen, 1987-2016. Alors, donc, on le manquera. Il va nous manquer beaucoup. D'autres déclarations de Glengarry Plescott. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Il y a tellement de champs formidables et des choses intéressantes qui se produisent dans mon Glengarry Plescott Russell. J'ai eu l'honneur de présenter le prix du Premier ministre pour l'excellence. Et aussi, avec des membres des intervenants, nous avons célébré l'ouverture officielle de le nouvel bureau d'administration à Russelltown, dans le comté canton de Russell. Et vendredi, je me suis présenté au 5e anniversaire du King Club. Et ça, c'était vraiment une belle soirée. Non seulement tous les clubs, les réalisations et les contributions de la communauté ont été présentées et célébrées, mais, Monsieur le Président, il y avait une surprise. Alors, donc, un chef de la communauté, un bénévole, Cindy Anthony, a reçu le prix de le plus grand honneur de King Canada, d'être membre à vie. Elle est bien connue dans la communauté pour jouer un rôle très important dans plusieurs projets au cours des 5 dernières années. Félicitations, c'est bien mérité. Monsieur le Président, samedi soir à Rockland, nous avons célébré une année productive avec Guy Desjardins de Prescott Russell. J'ai saisi l'occasion pour le remercier. L'excellent travail et le bon leadership qu'il a donné dans toute la région. Félicitations, maire Desjardins. À l'événement, donc, le prix J.P. Saint-Pierre a été donné à M. Anthony. Ça a été donné par Jocelyn Saint-Pierre, la femme de son épouse, et pour reconnaître sa contribution, son dévouement à la communauté. Félicitations à Doug pour sa participation et son leadership dans Russell et parmi tous les autres événements, et particulièrement pour son travail formidable dans l'avenir de Russell. C'était tout un week-end. Félicitations, Cindy et Doug Anthony. Député de Nipissing. Bonjour à monsieur. Alors, les comités de ma circonscription sont inquiets du plan de limiter le marché, de plafonner le carbone. Alors, donc, les communautés Blossom, Chisholm et Callender ont tous réussi à adopter des résolutions municipales concernant leur préoccupation. Le gouvernement a ce plan, ça comprend une hausse de 4,3 cents. Et 5 $ de plus pour le gaz naturel. Les chefs des communautés ont noté que le nord de l'Ontario déjà fait face à des difficultés avec des taux de gasoline plus élevés à des hivers plus froids qui ont un impact sur les frais de chauffage de domicile. Par ailleurs, les résidents font face à des distances plus éloignées entre les grands centres pour les services, comme par exemple les soins de la santé et l'éducation. En conséquence, les municipalités de Glosson, Chisholm et Callender
ont résolu que le gouvernement exempte le nord de l'Ontario contre les hausses de gaz naturel et élimine aussi l'augmentation par litre de 4,3 pour les frais de gasoline. Il est temps pour le gouvernement de commencer en temps à écouter et de rendre cesser et de rendre la vie trop difficile aux citoyens du nord de l'Ontario. Alors, merci donc à tous les membres. Donc, nous allons passer au rapport des comités.